Je vous résume l'actualité du dimanche 1er janvier entre 8h et midi en 1 minute et 41 secondes. Légion d'honneur 2023, le président du procès du 13 novembre, le père de la pilule du lendemain et une flopée d'anciens ministres macronistes distingués. La nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur, la plus élevée des distinctions nationales françaises, récompense au total, et, à parité, 340 personnes œuvrant au service de la nation. Il a retrouvé le sourire, roué de coups dans l'oise, rudy, élève handicapé, veut tourner la page. La recette du dimanche, des huîtres au granit et kiwi. On suit Rebecca Beaufour, chef de Dante à Paris, en cuisine pour agrémenter les huîtres, dont on raffole les lendemains de fête. Colombie, accord de cessez-le-feu de six mois entre le gouvernement et les cinq principaux groupes armés. Le premier gouvernement de gauche de Colombie, entré en fonction le 7 août, a repris en novembre les pourparlers de paix pour tenter de mettre fin au dernier conflit armé interne du continent. La foule retrouve les Champs-Élysées pour le Nouvel An. Après deux ans d'interdiction, la foule a pu retrouver les Champs-Élysées et son feu d'artifice du Nouvel An. Quelques 500 000 personnes étaient attendues. Morbihan, double homicide, une troisième personne dans un état grave. Nuit du Nouvel An, 500 interpellations mais aucun, incident notable. Passoir thermique, la loi va amplifier le nombre de logements vacants dans les territoires oubliés. À compter de ce dimanche, les logements les plus énergivores seront interdits à la location en France. Pour le président de la Fédération nationale de l'immobilier, Loïc Quentin, cette mesure risque de renfoncer les tensions sur le marché locatif.